bonjour Claude. Je vous offre un café? Et non. Claude! Oh, Claude! Il manquait plus que lui. Ils sont partout. Qui? Nos gens. On peut plus y faire un pas sans tomber sur eux. Mais je te rappelle que c'est toi qui les as fait venir habiter ici. Mais en attendant, j'ai tout. Par contre, pensez à réserver votre soirée du 17 juin. Qu'est-ce qui se passe le 17 juin? Je vais jouer Jésus. Vous? Oui. Bah Jésus n'était pas... Ils sont vraiment mignons, nos parents. Ils sont mariés depuis combien de temps? Ça fera bientôt... 40 ans, le 18 juin. On se disait aussi que c'était l'occasion rêvée de réunir toute la famille. Comment ça, toutes les familles? Eh ben, les vôtres. Ça va être une boucherie. Allô? Maman! Ah, David, ton père me rend folle, je peux plus le voir! On vient de ta part, enfante, non, non. Ni la rangée, ni la femme, tu l'as. T'as appelé mes parents. C'est, ce serait chouette qu'ils fassent un petit bœuf pour la fête. Have a love, why baby we trouble. Have a love. C'est les Chinois, ils nous ont pris notre chambre. On a tiré au sort les chambres et toi et maman, vous dormez dans la yourte. Quoi? Vachement sympa. Mais reposez ce corps de chat si vous l'avez trouvé et retournez dans votre yourte. C'est magnifique. Oh. Bah, ça vaut pas Jérusalem, hein. Je crois que la plaisanterie a assez duré. C'est une belle brochette de cas sociaux, ça. Merci à nos gens. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, Claude? J'en sais rien. Alors, je sais pas si ce sont les tableaux ou les radis, mais j'ai la nausée. Ah Clovis, ça a dû le déclencher. Il fait jamais ça en intérieur.